African economies are projected to grow to 4.5% in 2017. But in fact, to accelerate that development, African economies will need to rapidly diversify and therefore to drive inclusive growth. Driving that inclusive growth will require focus on particular areas. And that's why at the African Development Bank, we have focused on those five areas. First is to light up and power Africa. The second is to feed Africa. The third is to industrialize Africa. The fourth is to integrate Africa. The last one is to improve the quality of life of the people of Africa. Let me say that it is very important for us to look at the issues that we are going to talk about today. So let me, with that, make the remarks that I will make now in French. Vous savez que en ce qui concerne la part de l'Afrique, en ce qui concerne le manufacturing, le secteur industriel de l'Afrique, au niveau mondial, c'est très petit. Notre partie de cette valeur ajoutée au niveau mondial, c'est 1,9%, ce qui est très, très faible. Pour industrialiser l'Afrique, donc, il faut quand même une infrastructure. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour discuter concernant Africa 50, donc quelles mesures Africa 50 pour apporter les financements nécessaires pour pousser l'industrialisation de l'Afrique. Comme je viens de dire, on est là pour discuter sur l'Afrique, sur l'infrastructure et la croissance inclusive de l'Afrique. Et vous le savez, ce qui se passe au niveau mondial pour l'économie de la Chine, parce que la Chine fait le parti dans lequel l'Afrique fait beaucoup d'exportations. Mais maintenant, avec la faiblesse de l'économie mondiale, la volatilité de prix de matières premières et le changement de modèle économique de croissance en Chine, la Chine veut externaliser beaucoup d'industries pour manufacturer. Mais la question à demander, c'est dans quelle partie du monde est-ce que cette industrie va aller? Il faut qu'il y ait quand même, il faut qu'il vienne en Afrique. Donc, l'Afrique est prête pour le recevoir toutes ces industries-là, mais il faut résoudre quelques défis. Il y a des défis à relever. Tout d'abord, il y a des défis concernant le développement d'infrastructures, les systèmes routiers. Il y a les systèmes de ports, infrastructures de ports. Il y a le système aussi, infrastructures aériennes. Il y a aussi le système de routiers transnationales. Ils sont très importants d'avoir l'intégration régionale de toutes nos économies pour pouvoir quand même avoir les croissances partagées partout. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense aussi sur la digitalisation de nos économies, infrastructures d'information, de communication et les télécommunications, c'est très important. Donc, pour ça, il y a une déficit qui est massive au niveau de l'infrastructure pour l'Afrique. Environ 100 milliards de dollars de déficit. Pour combler à ces déficits, il faut donc avoir les partenariats qui sont stratégiques. Les partenariats entre le secteur public, aussi les secteurs privés. Et aussi prendre en compte qu'il y a la disponibilité de ressources massives domestiques en Afrique qu'il faut mobiliser quand même. Il y a les ressources disponibles au niveau de fonds de pension. Il y a le fonds de souverain, fonds souverains massifs. Il y a aussi de private equity. Il y a tellement de ressources, il faut les mobiliser en Afrique. Je ne vois pas les raisons pour lesquelles les gens prennent leur argent pour aller investir dans les pays où les taux d'intérêt réels sont négatifs. Mais quand même, nous avons les infrastructures massives ici et qui sont rentables pour lesquelles l'Afrique doit avoir confiance eux-mêmes pour investir en Afrique. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons créé Africa 50, pour être cette plateforme-là qui peut faire le partenariat public et privé, pour mobiliser des ressources domestiques et aussi les financements institutionnels qui sont très importants pour combler le déficit d'infrastructures en Afrique. Et d'abord, nous avons eu les actionnaires de notre Africa 50. Quand nous avons eu notre réunion ici le mois de juillet, 29 juillet 2015,
il y avait eu 20 pays qui ont fait la souscription, qui ont fait devenir comme les actionnaires de Africa 50, avec un montant de 707 millions de dollars. Mais je réjouis aujourd'hui, en tant que le président de la Conseil de Africa 50, qu'aujourd'hui nous avons 22 pays qui sont actionnaires déjà, et que déjà nous avons eu aussi la participation, n'est-ce pas, de deux banques centrales comme actionnaires de la banque. Les deux banques centrales sont les banques centrales des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Il y a aussi la Banque Al-Maghrib de Maroc. Ce sont les banques qui sont participées là-bas. Et aussi, je suis très fier de faire l'introduction et pour vous informer que nous avons aussi sélectionné le directeur général de Africa 50, qui est juste à côté. C'est le monsieur Alain Ebobise. Monsieur Alain Ebobise était le chef d'infrastructure de IFC. C'est Fonds d'investissement. IFC Infraventures. Hein? Oui. Société financière internationale IFC. Mais il amène beaucoup d'expérience de l'Afrique, l'Amérique latine, en Asie, sur l'infrastructure. Donc on est sûr qu'on est dans les bonnes mains avec lui pour diriger toutes les affaires de l'Afrique 50. Donc tous les détails, vous pouvez lui demander toutes les questions. C'est le feuille de route de Africa 50. Mais je suis vraiment très fier de qu'il avait pris la fonction avec nous. Et pour notre conseil, la réunion des actionnaires, ils ont aussi approuvé la mobilisation de capitaux pour accélérer la mobilisation, n'est-ce pas, des actionnaires pour l'Africa 50. Ils ont approuvé aujourd'hui, parce que vous avez Africa 50 à deux parties. Il y a Africa 50 pour Project Finance, les financements de projets. Il y a Africa 50, le développement de projets. Donc, nos conseillers, nos actionnaires sont approuvés pour qu'on augmente le montant d'actionnaires pour les financements de projets de 632 millions de dollars à 711 millions de dollars. Et pour le développement de projets, pour augmenter l'action de 113 millions de dollars à 82 millions de dollars. Il y avait aussi les comptes les comptes de 2015, les financiers qui ont été approuvés par aussi. Ça a été fait par KPMG, les auditeurs de KPMG. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut mobiliser d'ici, dans quelques mois, d'ici 6 mois, 9 mois, il faut augmenter notre financement à 1 milliard de dollars. Et donc, ça, c'est les choses pour le nouveau directeur général pour faire. Pour terminer, je voulais simplement vous dire que l'avenir de l'Afrique est bien et l'Afrique reste bien et que les choses vont accélérer avec l'investissement massif dans l'infrastructure, dans le secteur énergique, dans la création de ports, dans le secteur d'information et technologie et de communication. Je suis convaincu que Africa 50 sera un instrument fondamental stratégique pour accélérer l'avenir de l'Afrique. Donc, je vous remercie. Oui, on est à l'écoute. Il y a un traducteur. Okay, go ahead. Let him go. Oui. C'est bon, je peux commencer? Oui. Oui, ça va. Bonjour, Samir Alouardiri pour Média 24. Je voudrais savoir que votre fonds, qui apparemment est doté de fonds publics, enfin les actionnaires sont publics, comment vous différenciez du fonds
qui va être créé très bientôt par le président de la BMCE Maroc avec les Chinois, vous parliez des Chinois tout à l'heure, qui démarre lui à 1 milliard de dollars tout de suite, en décembre, qui va passer à 10 milliards très très rapidement. Comment vous différenciez? Est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce que c'est deux fonds différents? Est-ce que chacun part en ordre dispersé? Merci. Merci, monsieur. Le positionnement d'Africa 50 est très particulier dans le marché des infrastructures en Afrique. C'est-à-dire que c'est un fonds d'investissement en infrastructures qui est détenu par un très grand nombre d'États africains, la Banque africaine de développement. Monsieur le président du conseil d'administration vient également d'annoncer que deux banques centrales sont déjà actionnaires et nous allons poursuivre nos efforts pour arriver à la majorité des États africains qui soient actionnaires, pour que nous soyons une structure panafricaine d'investissement dans les projets. En même temps, nous avons un mandat de gérer Africa 50 comme une institution quasi privée, avec une gestion commerciale. C'est ce qui nous différencie. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs fonds d'investissement en Afrique subsaharienne et en Afrique en général qui investissent dans l'infrastructure. En fait, il en faut plus encore de fonds. Et donc, nous saluons l'arrivée de nouveaux fonds parce que les besoins d'investissement en infrastructure en Afrique sont massifs. Monsieur le Président a parlé de plus de 100 milliards de dollars annuels. Donc, nous réjouissons qu'il y a de nouveaux partenaires qui arrivent sur le marché. Nous allons travailler en partenariat avec ces partenaires-là. Mais nous allons avoir un positionnement particulier parce que nous sommes détenus par les États. Donc, nous allons créer un pont, un bridge, comme on dit en anglais, entre le privé et le public pour faire avancer ces projets le plus rapidement possible. C'est comme ça que nous voyons la différence, mais également la complémentarité. Je vous remercie. Monsieur Fall, l'économiste. Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure de mobiliser les ressources internes. Est-ce que par ressources internes, vous parlez de l'épargne, hein, au niveau de l'épargne publique? Est-ce que les banques... je pense que je vais reprendre ma question. Vous avez parlé de mobiliser les ressources interne, domestique du continent. Est-ce que par ressources domestiques, vous parlez de l'épargne, qui est aussi très important, qui n'est pas du tout mobilisé aujourd'hui au niveau des banques commerciales, au niveau local. Qu'en est-il aussi des transferts d'argent? Parce qu'on sait que la diaspora africaine est extrêmement lucrative, hein, sans changer de mots. On a de gros fonds de transferts d'argent qui viennent en Afrique chaque année. Est-ce que vous avez un instrument, une méthode de pouvoir mobiliser ces capitaux et de pouvoir justement en faire des sources d'investissement? Merci beaucoup. Merci. Je pense que pour combler ce déficit-là, il y a trois choses à faire. Il faut regarder en Afrique. Moi, je suis totalement convaincu que l'Afrique doit se prendre en charge eux-mêmes parce qu'il y a les ressources qui sont disponibles. Prends par exemple au niveau de fonds de pension en Afrique aujourd'hui. C'est 364 milliards de dollars qui est disponible. Au niveau de fonds souverains en Afrique aujourd'hui, c'est 164 milliards de dollars disponibles. Prenez les fonds de private equity en Afrique aujourd'hui, c'est plus que 29 milliards de dollars qui est disponible. Mais regardez aussi en ce qui concerne le fonds de diaspora qui vient aujourd'hui en Afrique, c'est plus quand même le fonds de concessionnaire de banque multilatérale de développement. Ça veut dire que les ressources sont disponibles. Il faut mobiliser l'épargne. Il faut mobiliser les ressources domestiques. Je vous donne deux exemples qui sont clairs. Prenez par exemple le cas de l'Égypte. L'Égypte a fait le canal de Suez. Ils ont mobilisé 8,5 milliards de dollars pendant 8 jours. Ça veut dire que l'argent est disponible. Vous prenez l'Éthiopie, par exemple. Ils ont fait le barrage, comment ça s'appelle, le barrage pour les... Hein? Renaissance, pour les Renaissance. Ils ont mobilisé les ressources totalement à l'interne. Ça veut dire que les ressources sont disponibles. Deuxièmement, c'est le marché de capitaux. Il faut mobiliser le marché de capitaux. La Banque africaine de développement, nous avons un instrument pour le faire. C'est une initiative pour la mobilisation de ressources sur les marchés de capitaux. Ce qui est très important, nous avons quelque chose avec le Bloomberg, on appelle
The bond is what? Africa Bond Index, qu'on utilise. On fait aussi l'intégration de différentes bourses en Afrique, les bourses, l'Afrique du Sud, les bourses à Johannesburg, les bourses à Nairobi, les bourses à Casablanca ici, même avec les bourses de valeur immobilier qui existent. Donc, ce sont les choses qui sont très importantes. Il y a des ressources disponibles. La Banque africaine de développement détient de différents types d'instruments pour aussi dérisquer. Il faut réduire le risque d'investissement. C'est ça qui est très important pour la mobilisation de ressources. Et je suis totalement convaincu aussi que l'Africa 50 détient la capacité aussi de travailler avec nous et bien avec les autres pour mobiliser les ressources domestiques. Momadjo de Finance News Hebdo. Donc, que répondez-vous à certains observateurs qui pensent que le fonds peine à atteindre sa vitesse de croisière parce que jusqu'à présent, vous n'avez recruté que 22 États si le compte est bon? Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de cette peine à fédérer davantage de souscripteurs au capital? Merci. Regardez. Nous savons commencer, il faut commencer quelque part. Si vous avez 22 pays en Afrique qui font l'actionnaire dans un fonds, ça c'est excellent. Et chaque jour, il y a le pays aussi, différents pays qui voulaient aussi être membres. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'on va ouvrir aussi la capitalisation de Africa 50, même jusqu'à décembre. Il y aura plusieurs pays qui voulaient être membres d'Africa 50. Donc, moi, je suis aussi très convaincu que, bon, avec l'arrivée de le directeur général qui a beaucoup d'expérience aussi dans la mobilisation de ressources, il y aura la participation d'investisseurs institutionnels, les secteurs privés qui sont aussi très importants. Je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il faut quand même saluer cette contribution de 22 pays, d'autant plus que Africa 50, lorsque les pays deviennent actionnaires, ils doivent décaisser, ils doivent payer leurs contributions. Donc on a vraiment un engagement financier de ces pays-là. Bien sûr, comme a dit Monsieur le Président du Conseil, nous allons augmenter le nombre de pays qui vont participer. Donc c'est l'une de mes priorités, et d'avoir la majorité des pays africains qui participent dans un délai très court. Mais nous sommes déjà satisfaits de ce soutien-là et je dois le remarquer. Merci. Bonjour, Monsef Benhayoun, journaliste Le Matin. La Banque africaine de développement est un grand financeur des projets d'infrastructure en Afrique. Et en même temps, vous avez initié ce fonds qui est Africa 50, qui va financer à peu près les mêmes objectifs en termes de projets d'infrastructure. Alors, comment la BAD se positionne par rapport à Africa 50? Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est une compétition entre les deux institutions? Et quelle synergie est-elle possible entre les deux institutions? Merci. Oui, écoute, en ce qui concerne la situation de partenariat, si vous prenez au niveau de la déficit global sur l'infrastructure, il faut plusieurs types d'institutions pour pouvoir mobiliser les ressources. C'est la raison pour laquelle même la Banque africaine de développement, avec la Banque mondiale, avec le nouveau Banque de développement et aussi avec le BRICS, nous avons aussi fait un partenariat global sur la mobilisation de ressources pour l'infrastructure. Il y avait pendant la réunion, la conférence qui a été tenue à Addis Ababa sur le financement du développement, et tous les banques multilatérales de développement ont pris la décision de mobiliser des ressources dans toutes les façons nécessaires, secteur privé, secteur public, diminuer les risques, faire la syndication de choses et tout cela en partenariat. Donc, il faut plusieurs institutions pour le faire, mais qui travaillent dans une étroite collaboration. Pour nous, on est très fiers d'être les banques qui ont créé Africa 50. Et pourquoi? Parce qu'il y a un aspect très important de Africa 50. Il y a deux parties, Africa 50, développement de projets, Africa 50,
financement de projets. L'aspect du développement de projets, c'est ça le plus difficile en Afrique, dans n'importe quel investissement. Parce que c'est, le risque est élevé, le coût est élevé, il n'y a pas beaucoup de personnes qui voulaient faire ça. Donc il y a plein d'opportunités, mais les projets n'ont pas encore développé pour les rendre bancables. Donc, un avantage comparatif qui détient l'Africa 50 avec son facilité de développement des projets, c'est pour aider les pays et les secteurs privés pour la préparation des projets. Investissement dans ça, qui est le plus risquant, ça c'est très très important. Deuxièmement, c'est que pour nous, on fait aussi les, comment dire, advocacy, porte-parole, si vous voulez, pour l'infrastructure ensemble avec, Africa 50. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut co-financer avec Africa 50 et aussi avec les autres. Donc, il n'y a pas aucune duplication. C'est une complémentarité qui est, en tout cas, extrêmement nécessaire pour mobiliser les ressources qu'il faut. Et finalement, je dois dire qu'un avantage de l'Africa 50, qu'on en avait créé ça, c'est que nous voulons que l'Africa 50 soit quelque chose qui est dirigé, si vous voulez, par les secteurs privés, avec une approche du secteur privé qui peut mobiliser des ressources de le secteur privé. Donc voilà, il y a, c'est complémentaire, c'est la raison pour laquelle je suis là. Ça, voilà la complémentarité. Si c'est comme concurrence, il ne sera pas là. Ibrahim Souleymane du magazine Les Afriques. Donc, vous avez évoqué l'arrivée de deux banques centrales dans le capital de Africa 50. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur le montant ou le niveau des investissements de ces deux institutions? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres banques centrales éventuellement que vous allez solliciter pour rejoindre le tour de table? Merci. En effet, deux banques centrales, la banque Al-Maghrib du Maroc et la BCAO sont devenus actionnaires pour des montants respectifs de 20 millions pour ce qui est de la banque Al-Maghrib et 5 millions de dollars pour la BCAO. Donc, c'est des montants pour nous qui sont des montants appréciables, mais au-delà des montants, c'est le fait que les banques centrales soient actionnaires qui donnent le signal à d'autres banques centrales que nous avons commencé à approcher. Nous avons des discussions avec d'autres banques centrales, mais nous pourrons les annoncer que lorsque ce sera concrétisé. Parce que ce que vous savez, dans le fundraising, dans la levée des fonds, c'est un processus difficile. Donc il faut engager des discussions et nous préférons publier ça lorsque ce sera concret et signé. Mais effectivement, c'est un segment de marché que nous allons poursuivre, comme d'autres investisseurs institutionnels. Les fonds souverains, les fonds de pension, parce que vraiment, nous devons faire appel à l'épargne à long terme en Afrique, mais également au-delà de l'Afrique. Voilà notre stratégie. Bonjour, Omar Baldé du quotidien Les Inspirations Éco. L'objectif à fin 2016, c'est d'atteindre 1 milliard de dollars de capital, pour le capital. Pensez-vous qu'actuellement cet objectif est réalisable et auprès de qui comptez-vous insister davantage pour le réaliser? Merci. Nous allons continuer à travailler avec des États actionnaires qui ont déjà exprimé un intérêt pour participer au capital. Donc un certain nombre de pays sont en discussion avec nous et nous pensons que ça pourrait être concrétisé d'ici la fin décembre. Mais également, on a parlé des banques centrales. Nous allons continuer à travailler avec au moins une ou deux banques centrales. Et donc, c'est un petit peu la cible principale. En même temps, nous allons lancer le démarrage du fundraising auprès des institutions plus privées. Nous allons recruter très rapidement une banque d'investissement, une banque d'affaires qui va travailler avec nous pour nous assister dans ce travail-là. Donc je pense qu'à fin décembre ou juste après, c'est un objectif tout à fait réalisable pour arriver au milliard de dollars. Et aussi, pour complémenter le directeur général, vous savez que en ce qui concerne les structures de gouvernance de notre institution Africa 50, on va mettre en place un comité d'investissement qui sera vraiment pour la plupart géré par les secteurs privés, parce que vous savez que le marché réagit
la compétence au niveau des types de personnes qui sont dans le conseil. Donc ça, c'est un aspect très important dans lequel nous, on va travailler. Mais il y aura aussi beaucoup de choses parce que maintenant, vous avez, avec le nouveau directeur général, il y aura les roadshows, il y aura beaucoup de choses qu'ils vont faire. Il y aura aussi le recrutement très rapide des personnels pour Africa 50. Avec tout cela, je pense que les choses vont aller à très vite. $1 milliard, on pourra atteindre son problème. Bonjour, Rassan El Karmouni, je suis journaliste au magazine Économie et Entreprise. J'aurais trois questions pour vous. La première question, c'est quelle est la plus-value de Africa 50 et l'ABAD d'une manière générale pour le Maroc, sachant que le Maroc est un pays qui a l'investment grade, qui est parfaitement bancable. Donc pourquoi se diriger vers l'ABAD ou Africa 50? La deuxième question concerne l'ABAD d'une manière plus générale. Le Maroc est parmi les plus grands clients de l'ABAD et c'est aussi parmi ses plus grands actionnaires. Comment expliquer le très faible taux de représentativité des Marocains au sein des institutions, au sein de l'ABAD en particulier, que ce soit en termes de cadre ou autre? La troisième question, par rapport à la stratégie de votre stratégie, Monsieur le Président, vous avez focusé sur, vous avez une stratégie qui s'appelle High Five. Est-ce que c'est pas trop d'objectifs pour un si court mandat? Et merci. Trop d'objectifs pour un si court mandat. Est-ce qu'il vaut pas mieux focuser sur un ou deux objectifs plutôt que cinq? Merci. Okay, merci beaucoup. Je commence par le dernier. Non. Nous avons eu une stratégie décennale de la Banque africaine de développement. Ce que nous avons dit, c'est qu'il faut bien préciser les choses sur les priorités de priorité, dans laquelle, si on réussit avec ça, on aura beaucoup de l'impact sur l'Afrique. C'est la raison pour laquelle nous avons fait la priorisation sur les cinq choses. C'est éclairer l'Afrique et donner énergie à l'Afrique, pour nourrir l'Afrique, pour industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et aussi augmenter, améliorer la qualité de vie du peuple africain. Je suis vraiment très heureux que vous êtes du Maroc. Je suis ici discuter avec le chef du gouvernement, avec le ministre des Finances, avec tous les ministres ici. Il y a un alignement parfait entre la volonté politique du pays et avec les top 5. Ça veut dire qu'il y a 5-5 et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, s'il n'y a pas l'électricité, qu'est-ce qu'on peut faire en Afrique? On est fatigué d'être dans l'obscurité là. Qu'est-ce qu'on fait avec l'obscurité là? Si l'Afrique aujourd'hui, en ce qui concerne l'agriculture, détient de 65% de toutes les terres disponibles dans le monde pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050, et si on ne l'utilise pas, ça veut dire qu'on pousse la pauvreté simplement ici en Afrique. Non, ce n'est pas acceptable ça. Il faut que l'Afrique transforme l'agriculture pour que ça rentre comme une business. Et aussi, les dépenses qu'on utilise pour faire importer, c'est trop. Aujourd'hui, on fait l'importation de $35 milliards en Afrique pour l'alimentation. Si on ne fait rien, ça va arriver à $110 milliards d'ici 2025. Donc, c'est très important pour le faire. Donc, ce sont les cinq priorités dans lesquelles même tous les chefs de l'État sont d'accord, et tous les gouverneurs de banque sont d'accord, toutes les populations des Africains sont d'accord. Et c'est la raison pour laquelle on fait toujours high five pour l'Afrique. C'est très, très important. On doit réussir les cinq choses-là pour pousser les croissances inclusives, qui est très critique pour l'Afrique. En ce qui concerne la valeur d'Africa 50, vers le Maroc et aussi vers la Banque africaine de développement. Vous savez que le Maroc a un avantage très significatif dans les marchés de banque et financiers. Ici, on est à Casablanca, c'est le centre de marché financier, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle on est très, très, très content que beaucoup d'appréciation pour les gouvernements marocains pour recevoir Africa 50 ici en tant que siège. Et aussi, la Maroc fait une grande partie de actionnaires de Africa 50.
La même chose même pour la BAD. Donc, ça veut dire que c'est un partenariat très, très important. C'est la raison pour laquelle moi, je suis ici pour ma première visite officielle en tant que président de la Banque africaine de développement au Maroc. Le Maroc est le premier client de la banque. Et notre investissement ici, depuis qu'on avait commencé ce partenariat, c'est environ 7,9 milliards de dollars. Et à l'heure actuelle, nous avons dans les quatre dernières années fait l'investissement ici de 2,8 milliards de dollars dans le secteur énergie. Donc vous avez parlé du secteur de l'infrastructure, sur l'agriculture, le plan marocain vert, et aussi dans le secteur de l'eau et assainissement, et aussi avec dans le secteur de l'industrialisation. Et nous avons dans le secteur financier aussi, inclusive. On a fait beaucoup de choses ici. Je suis très fier de ce que notre bureau ici a fait. Vous avez parlé de la représentation de Marocains aussi. Bon, si elle peut se lever, voilà madame notre représentant ici. Et elle peut vous dire qu'il y a les Marocains qui travaillent au sein de la BAD. Voilà, hein, qui est juste à côté. Au niveau du siège. Oui, non, il vient même au niveau du siège. Il y a toujours au niveau du siège. Hein? Directeur de l'eau et l'arrondissement sont. Ah bon, voilà, bon. Vous avez tout pris. En tout cas, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il y a la bonne représentation de Marocains au sein de la BAD. Mais les choses que me poussent en tant que président de la BAD, ce n'est pas même ça. C'est le résultat que nous avons acquis au Maroc. Je prends trois exemples. Prends la situation d'énergie. Avec notre investissement ici, nous avons réussi à faire le raccordement de 2500 villages à l'électricité ici, avec la participation d'avoir accès à l'électricité de 410 000 personnes. Vous prenez par exemple ce qui s'est passé au niveau de l'eau et l'assainissement ici. Avec notre investissement ici, nous avons pu, avec le gouvernement, accélérer l'accès à 15 millions de personnes à l'eau et à l'assainissement ici à Maroc. Et finalement, avec notre investissement avec le gouvernement ici aussi, dans le secteur financier inclusif, nous avons pu ensemble augmenter le pourcentage de population qui ont accès à le crédit système financier de 38% à 68%. Donc ça veut dire qu'il y a le personnel marocain, hein, mais il y a en plus de ça l'action dédiée et avec beaucoup de résultats visibles ici. Et moi, je suis très fier de ce qu'on avait fait ici avec vous sur l'énergie. Je serai à Ouazazate. On était le premier, la Banque africaine de développement était le premier investisseur dans cette le phase 1 avec une 28% d'investissement qui ont été faits là-bas. Donc, moi, je suis très satisfait. Ajouter un mot sur la plus-value additionnelle d'Africa 50 au Maroc. D'abord, le Maroc l'a reconnu en mettant beaucoup d'argent dans ce fonds, mais également, il y a pas mal de choses qu'on va faire avec les entreprises marocaines, notamment co-investir avec les entreprises marocaines sur des projets d'infrastructure en Afrique, parce qu'il y a une très grande expertise ici qui a été développée dans les projets PPP au Maroc. On peut donc co-investir ensemble à l'étranger. Mais il y a également le développement de la place Casablanca Finance City. Je crois que c'est une place très importante qui va nous accueillir. Et donc, nous allons contribuer au rayonnement de cette place en étant présents ici. Et donc, je salue donc les promoteurs de Casablanca Finance City qui nous ont déjà pas mal aidés et qui continueront à nous aider. Bonjour, monsieur le président. Je le permets parce qu'il a le papillon. Merci, monsieur le président des SIDA, monsieur le directeur général. Je suis Célestin Guanou, ivoirien vivant en Suisse, de Africa Hub Geneva. Je fais la promotion des investissements sur l'Afrique. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer en janvier dernier à Davos. Vous avez parlé du secteur privé tout à l'heure. Moi, dans le cadre de mes activités de promotion des investissements,
Quand je parle d'Afrique, c'est souvent l'horreur, c'est pas sexy, c'est risqué, etc. Et aujourd'hui, à Genève et autour, bon, des institutionnels, il y en a quelques-uns que j'approche, ce sont les Pictet, les Lombardier, etc. Qu'est-ce que vous faites pour attirer ces structures qui voient l'Afrique vraiment très loin et peut-être dangereux, même si ça change un peu? Et qu'est-ce que vous faites pour des structures petites comme la mienne qui font la promotion des investissements, qui peuvent diriger des flux vers Africa 50, mais avec mes petits bras musclés, je ne pourrais pas aller très loin si je ne vois pas une collaboration que je peux établir avec vous et la direction d'Africa 50. Merci beaucoup. Donc, merci, c'est un grand plaisir de vous voir encore après Davos. Bon, les deux questions, en ce qui concerne le parti d'investissement, Afrique reste aujourd'hui la deuxième région la plus rentable au niveau d'investissement mondial. Et ça reste toujours comme ça. Vous voyez une population qui augmente. Il y a une urbanisation de l'Afrique. Il y a aussi le pourcentage de la population de l'Afrique avec le revenu moyen qui augmente, middle class, la consommation augmente. Donc, ça reste toujours le continent à investir. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a différents types de risques. Il faut gérer le risque. Si vous êtes, même pour traverser la route, il y a le risque. Vous rentrez dans un avion, quelqu'un vous dit, bon, voilà, votre nom c'est Monsieur Guano, vous êtes en première classe, prenez place, voilà le vin, il faut se calmer, dormir, voir la télévision et tout ça. Mais vous prenez beaucoup de risques parce que. Mais vous oubliez ça parce que vous êtes 35 000 mètres. Hein, mais on vous dit, regardez la télévision. Mais ça veut dire ce qui est important, c'est de gérer le risque et diminuer le risque. Et c'est ce que nous faisons en tant que la Banque africaine de développement. Nous avons différents types de instruments. J'ai le vice-président de finance, M. Bouama, si vous pouvez s'élever en tout cas, où il peut répondre à des questions aussi. Nous avons l'instrument de partage de risque, ce qu'on appelle partial risk guarantee. Nous avons les partial credit guarantee qui réduit les risques du secteur privé. Ce sont les choses que nous faisons. Même dans le secteur énergie, il y a le power purchase, comment dire en anglais, power purchase agreement et tout cela. Mais contrat d'achat d'énergie et tout cela que nous faisons. Donc, ce sont les types d'instruments que nous utilisons beaucoup pour pouvoir accélérer l'investissement par les secteurs privés. Mais en ce qui concerne le petit et moyen entreprise, les petites et moyennes entreprises restent les plus importants en Afrique. C'est eux qui créent de l'emploi. C'est eux aussi qui doivent augmenter pour pouvoir payer les taxes. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour nous, au sein de la Banque africaine de développement, nous avons un programme spécifique pour le financement de petites et moyennes entreprises. Et j'étais hier avec le ministre de l'infrastructure, c'est l'industrialisation, ici à Maroc, parce que ils ont réussi beaucoup avec le secteur de porteurs comme l'automobile et aussi avec l'aéronautique. Aéronautique. Mais ils ont réussi à créer, je crois, 30 000 auto-entrepreneurs. Ça veut dire les petites et moyennes entreprises. C'est les petites et moyennes entreprises que doit augmenter. En ce qui concerne la femme, vous savez que ce sont les femmes qui font la grande partie de petites et moyennes entreprises en Afrique. La Banque africaine de développement vient de lancer un instrument qu'on appelle un financement pour la discrimination positive pour les femmes. Si vous réglez les problèmes des femmes, vous réglez tous les problèmes en Afrique. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais créé ce fonds au sein de la BAD pour mobiliser 3 milliards de dollars spécifiquement pour les femmes en Afrique, parce que ce sont qui font les petites et moyennes entreprises. Je vous donne une petite histoire pour l'importance de la femme en Afrique. Pendant la période d'ajustement structurel,
j'avais pris un avion entre le Nigeria, Lagos et Abidjan. À l'époque, j'ai avec moi l'ordinateur. Vous avez l'ordinateur qu'on appelle le Compact. Alors, c'était le, comme le portefeuille, comme ça. Là. C'était tout mon bagage. Je suis rentré dans l'avion. J'ai essayé de placer les choses dans le coffre dans l'avion. Et il y avait les dames, les femmes qui sont venues, les commerçants. Ah, ils sont comme ça, avec beaucoup de tissus et tout ça là, parce qu'ils font les commerces. Et la dame a dit, bon, je vais placer toutes mes choses là-bas. Il dit, mais madame, c'est la seule chose que j'ai là. Il y avait le chef de cabine qui est venu. Il dit, monsieur, est-ce qu'il y a un problème? Il dit, oui, il y a un problème parce que je voulais simplement mettre mes choses. Et voilà, tous les dames là, ils voulaient mettre toutes leurs choses là-bas aussi. Il dit, combien de fois vous prenez cet avion, monsieur? Je dis, bon, ça dépend de mon travail. Il dit, regardez toutes les femmes là, les commerçants là, ils prennent ça chaque jour. Donc, c'est leur avion. Donc, on va mettre votre ordinateur dans le coffre en bas et on laisse la place pour les femmes. Donc, ça veut dire l'importance des femmes commerciales en Afrique. Même en tant que président de la Banque africaine de développement, j'ai ça à la tête. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour l'intérêt que vous... OK, dernière question. Alors, une dernière. C'est cher de l'Observateur du Maroc et d'Afrique. La question, c'est que durant votre séjour, vous aurez à avoir des rencontres avec le patron de l'OCP et le patron du Mazen. Ce qui veut dire que vous aurez Mazen. Donc, vous aurez deux potentiels partenaires pour tout ce qui est agriculture et électricité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez prendre ces acteurs comme partenaires privilégiés marocains? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que vous aurez à développer avec ces partenaires? Et une petite intervention. Aujourd'hui, nous vous connaissons en tant que un grand panafricain. Vous êtes quelqu'un qui portiez le Maroc, plutôt l'Afrique en vous. Est-ce que le message qui a été lancé par Sa Majesté pour que le Maroc réintègre l'Union africaine, pensez-vous que ce sera quelque chose de bénéfique pour ce premier partenaire au niveau continental qui est le Maroc pour vous? Non, merci. En ce qui concerne le OCP, Office chérifien de phosphate, c'est une compagnie extrêmement très importante pour le Maroc et aussi pour l'Afrique. Et vous savez que ces OCP aussi ont commencé une approche stratégique pour l'Afrique, OCP Africa, ce qui est très important. Déjà, ils ont commencé même avec notre bureau ici, avec la Banque mondiale, la discussion avec les investisseurs au Nigeria pour pouvoir utiliser le phosphate d'ici et aussi le urée qui existe au Nigeria pour pouvoir transformer l'Afrique, de devenir autosuffisant dans la production des engrais. Donc, ça, c'est une initiative très importante de collaboration sud-sud qui c'est important. Donc, et aussi, OCP aussi a beaucoup aidé le plan de Marocain vert ici. Et donc, je suis sûr qu'avec la collaboration avec le secteur privé dans le reste de l'Afrique, il y aura importance de faire Africa vert. Pourquoi pas Africa vert, en tout cas. Donc, j'aurai l'occasion de voir M. Terab. C'était aujourd'hui même, l'après-midi, pour discuter comment accélérer ce partenariat avec eux.